petits potos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais, je suis habillé pareil que l'autre vidéo qui est ici. C'est normal car je fais l'enchaînement de mes coffrets. Là je suis en train de tout casser. Donc aujourd'hui on ouvre le coffret épée bouclier avec 6 boosters. Voilà, de diverses extensions de Pokémon Soleil et Lune. Et voilà les amis, j'espère que je vais avoir du lourd parce que putain ça casse les c***. Honnêtement ça casse la tête. Désolé, je me suis un peu enflammé. Donc le coffret est super joli. Regardez, on passe en vue. Le coffret est super joli, bien présenté. Avec, je sais plus, je crois que lui c'est Zacian, et lui c'est Zamazenta, ou Zamazenta et Zacian, je m'en rappelle plus. Donc c'est parti pour l'ouverture de ce magnifique coffret de 6 boosters. Donc à la fin, je vous dirai le prix et le prix des cartes, si j'ai des cartes. Et c'est parti, let's go les amis hein. Donc voilà comment se présente ce petit coffret. Donc on a un booster de Soleil et Lune Alliance infaillible. Donc on en a 3. Voilà, et on a 3 épées boucliers. Donc je ne sais pas du tout par lequel commencer. Ceux-là, je les connais un tout petit peu. Ceux-là, je ne les connais pas du tout. On va les découvrir à la fin, ceux-là. Donc c'est parti pour épée et bouclier. Donc le petit code, c'est cadeau. Allez. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Kellocroc. Larvadar, Rhinocorn, Poulpaf, Poissirène, Énergie, Dresseur, Dresseur Rapid Ball, Megavolt, la Reverse de Voltoutou et Coarine. La Reverse de Voltoutou, elle est très jolie. Donc on enchaîne avec le deuxième booster épée et bouclier. En espérant qu'ils soient un peu plus... garni. Poulpaf, Fantominus, Minisange, Gripat, Frissolnil, Énergie, Moumouflon, l'évolution de Moumouton, Trio Picker, oh elle est marrante cette carte. Là il y a des Trio Picker ici. Elle est trop bien celle-là. Dresseur, Reverse de Lampio et on finit avec Mouchana, que je connais pas du tout, qui est éclaté au sol. Donc le dernier booster. Par contre, l'ouverture sont magnifiques. J'aime beaucoup. Ah bah, Moumouflon. Moumouton, pardon. Ok, c'est parti. Tatistique, Tritox, Poulpaf, Fantominus, Énergie Feu, Dresseur. Dresseur, Megavolt, Reverse de Dresseur, et Astronel. Oh. Astronel, s'il te plaît. Donc, sur les 3 boosters, nous avons eu rien du tout, les amis. Hein, un Voltoutou Reverse, un Lampio Reverse et un Dresseur Reverse. C'est vraiment pourri. Donc ensuite, on passe aux 3 derniers boosters de Alliance Infaillible. Oh là 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 là, on n'espère plus maintenant. On ouvre et j'ai arrêté d'espérer. Le petit code promo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, Togepi. J'aime beaucoup. Pikachu, yes. Oh, comment elle tue la carte. Pikachu, on va le mettre... Je sais que les Pikachu, en général, ils sont bien recherchés. Un magnifique Pikachu. On va mettre de côté lui. Petit Pikachu. Donc, Cornèbre. Rhinocorn. Meltan. Énergie, énergie, dresseur. Tentacruel. La Reverse éclatée. Et Persian. Qui est très joli, très bien fait. Voilà, bon bah pour moi, la meilleure carte c'était la Pikachu. Hein. Elle est vraiment jolie, Pikachu. J'ai l'impression d'avoir les premières générations dans l'Alliance Infaillible. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, parce que je sais pas si c'est le cas, vraiment. Bon, on va le voir de toute façon. Excellent.
Flamiaou. Donc lui, non, je crois pas, c'est pas la première génération. Krabi, oui. Sac de nœuds, bien sûr. Mister Bossy. Énergie feu. Rhino féroce, qui est très jolie, l'illustration, elle est belle. Oh, Carabaf. Magnifique. S'ils peuvent me sortir un petit Tortank, je serai très content. Mélo. C'est la reverse, ok. Feu Forêve, la reverse. Et Zeraora. Ok, qui est pas trop mal, hein. Mais je crois que ça me dit quelque chose, ce Pokémon, là. Dites-moi dans les commentaires où est-ce qu'il apparaît, lui, là. Où est-ce qu'on peut le retrouver, je crois, soit dans les épisodes, soit sur Pokémon Go aussi, il peut apparaître, je crois, en arène, en raid. Je suis pas sûr, bah écoute, on va le mettre là. On verra bien, hein. En tout cas, c'est un coffret rempli d'électricité, les amis. Je sais pas si vous voyez bien, regardez. Bon, à part celle-là, hein. Mais voilà pour l'instant ce qu'on a, hein, dans ce coffret. Électrique, 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 électrique. Allez, dernier booster, les amis. Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit plus? J'en sais rien. Franchement, c'est parti. Fantominus. Carvana. Togepi. Psytigri. Oh, Carapuce. Carapuce, Carabaf. Oh. Tortank, Tortank! Peu importe, même s'il n'est pas en brillant, je m'en fous, moi. Orchid. Dodrio. Rattatak. La reverse de Porygon. Et non, on n'aura pas de Tortank, malheureusement. Et Ectoplasma. Voilà, les amis, ce qu'on a eu. Donc, coffret pas terre-terre non plus, hein. On va passer en grand écran. Hop! Le coffret n'est pas terrible, terrible, les amis, je vous le dis. Je l'ai payé 30 euros. Je l'ai payé 30 euros. 30 euros pour 6 boosters. Donc après, ça vaut quand même le coup parce que 6 boosters pour 30 euros. Voilà. Ça le fait quand même. Si on a un peu de chance, on peut avoir quelque chose de bien. Moi, personnellement, j'ai pas eu, encore une fois, pas eu de chance, hein. J'ai eu que quelques rares, mais sans plus. À part le Pikachu. Je pense que le Pikachu, il est très recherché, celui-là, là. Voilà, après, j'ai eu que des rivers. Donc, pas terrible, terrible, les amis. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, quand même, à la découverte du coffret épée et bouclier. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de la commenter, surtout. Je vous dis à la prochaine pour soit un nouveau coffret, soit des displays qui doivent arriver. Je sais pas où ils en sont. J'ai pris des displays sur eBay. Donc on verra comment ça se passe. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Merci d'avoir regardé Pokémon Ball. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!